chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mouriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, qui enfantera avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est là, à ta sueur de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen, amen. Prenez notre Dieu, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Ta parole est vie. Your word is life. Et une puissance pour le seul de quiconque croit. And the power to whoever believes. Seigneur, que ta vie entre dans la vie de toute personne présente. Lord, may your life enter in the life of whoever is present. Que ta vie entre dans toute personne qui est en ligne à la radio, au téléphone. The life of whoever is online on the phone. Que la vie de ta parole transforme nos vies. May the life of your word. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Cher Saint-Esprit de Dieu. Dear Holy Spirit of God. Parle au cœur. Speak to heart. Parle à l'âme. Speak to the parle soul. Au corps. Speak to the body. Parle à l'esprit. Speak to the spirit. Touche et transforme. Touch and transform. Et communique la pensée divine à toute personne présente. And communicate the divine thoughts to everyone pour la seule gloire de ton nom.
For the only glory of God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, merci. Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu pour cette nuit. Beloved, we give grace to the Lord for this night. Cette première veillée de l'an 2017. This first night virgin of 2017. Croyant que ce ne sera pas la dernière parce que Jésus peut revenir cet après-midi. Believing that it won't be the last because Jesus can come back this afternoon. Et nous voulons vraiment en tirer de tous les profits que notre Dieu a mis à notre disposition. So we want to take advantage of everything that the Lord has put in our position. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés qui sont en ligne et que notre Dieu vous visite aussi. I greet all our beloved online. May the Lord visit you as well. Car nous avons affaire au Dieu qui remplit le ciel et la terre. Because we are dealing with a God who fills the heaven and earth. Le Dieu qui n'est pas limité par l'espace et le temps. A God who is not limited in space or time. Le Dieu qui tient à sa parole pour l'accomplir. The God who holds his word to fulfill them. Bien-aimés frères et sœurs, beloved brothers and sisters, le thème qui nous a été donné, pour lequel nous allons parler tout au long de cette journée, the theme that was given to us, which we will speak to, a donné à la postérité de la femme, God gave to the offspring of le pouvoir d'écraser le serpent, the power to crush the serpent, et le serpent, and the serpent, lui il va mordre les talons de la femme, he will strike the heel of mais the la postérité de la femme, however, the va écraser la tête du serpent, will crush the serpent's head. Venons d'écouter l'histoire que nous connaissons, l'histoire de la chute de l'homme. We've just heard the story of the falling of man. La chute de l'homme que Dieu avait créé. The falling of the man that God created. Et avec la femme, et Dieu les a placés dans le jardin d'Eden. With the woman, God placed them in the garden of Eden. L'histoire que nous connaissons depuis le premier dimanche. The story that we know from depuis le catéchisme. From Sunday school. Depuis qu'on était petit. Since we were small, et nous savons que Dieu a créé l'homme en premier lieu. We know that God made man et en deuxième lieu, il a créé la femme. And then created the il woman. A créé tous les animaux. He created the animals. Il les a placés dans le jardin d'Eden. He placed them in the qu'on appelle aussi le paradis. We call heaven. Et il y avait paradise. Paradise. Il y avait plusieurs arbres dans ce paradis. And there were many trees in that paradise. Et Dieu avait donné à l'homme l'ordre. And God gave it order to the man. Vous allez manger tous les arbres du jardin. You may eat from all the trees of the garden. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin. However, regarding the tree that's in the middle of the garden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. The tree of knowledge of truth. Vous n'allez pas toucher à cet arbre. You will not touch to that tree. En fait, dans le jardin de Dieu, il y avait des arbres très spéciaux. Il y avait des arbres. Le premier arbre de la connaissance du bien et du mal. In the Garden of Eden, there were two important trees. One. L'autre arbre, c'était l'arbre de vie. The tree of knowledge and evil, good and evil, and the other one was the tree of life. Amen, amen. Amen. Souvent, on s'arrête au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Usually we stop from knowledge and of good and evil. Mais il y avait aussi un arbre très important dans le jardin. But there were also another tree very important. L'arbre de vie. The tree of life. Et quand on touche à cet arbre, when you touch to that l'homme a pris la vie éternelle. Man will have eternal life. Et voilà qu'un jour. But see one day. Je ne sais pas où était l'homme. I don't know where the man was. Sachant que l'homme a été créé en dehors du jardin. Knowing that the man was created outside the garden. Ça se trouve si vous lisez les versets qui précèdent, vous allez découvrir cela. You will find it if you read the following. L'homme a été créé en dehors du jardin. The man was created outside the garden. Et Dieu l'a amené dans le jardin. And God brought him c'est to the garden. C'est la femme qui a été créée dans le jardin.
And it's the woman who was created in la femme the garden. A été créée dans le jardin. She was created in the garden. L'homme a été créé en dehors du jardin. And the man was created outside the et garden. Voilà qu'un jour, and see one day. Je ne sais pas où l'homme était, I don't know where the man nous was. Lisons ceci, bien but aimé, we read this. As we just parmi read, tous les animaux que Dieu avait créés, among all the animals that the Lord il y avait created, un animal rusé spécial. There was a very nous venons de dire que s'appelait le serpent. Animal. Le serpent, c'était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. He was more crafty than all the animals that the Lord created. Rusé signifie malin. That means rusé signifie qui agissait avec ruse. He was acting with craft. Avec des chemins détournés. With many ways. Et voilà que cet animal va être utilisé par Satan. And this animal will be used by the devil. Cet animal, parce qu'il était rusé, because he was crafty, il sera utilisé par Satan. He will be used by Satan. Nous venons de lire que le serpent va s'avancer vers la femme. So the serpent went to the woman. Où était l'homme? Where was the man? Il était parti se promener en dehors du jardin. Maybe he went outside the garden. Il était parti en train de faire les cœurs, je ne sais pas quoi. I don't know where he went or what he was doing. Tout était dans le jardin. Everything was in the garden. Mais il était parti où? But where was he? Et pendant ce temps, and during that time, l'ennemi profite. The enemy took advantage. Et il s'approche de la femme, le serpent va s'approcher de la femme. And moved towards the woman. Et il va commencer à dire, and he will start saying, il va commencer par semer les doutes dans la vie de la femme. He will start by planting doubts in the heart of Dieu the woman. A-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Did God really say that you will not il eat from all the trees of the garden? So he started by putting doubt in the heart of the woman. So God really said, beloved brothers and sisters, let me teach you about things that will help us. Le serpent ou Satan qui va utiliser cet animal, the serpent or Satan who will use this animal, il va commencer d'abord à semer le doute. He started by putting doubt in the world. Did God really say que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? You will not eat from all the tree of the garden. Eh bien, maintenant c'est le dialogue qui sera engagé entre la femme et le serpent. Now there will be a dialogue between the woman and the serpent. Une fois que le dialogue est engagé, once the dialogue is, alors la voie à tous les dangers est ouverte. So the way to all dangers is open. La discussion, le dialogue est engagé avec l'ennemi. Once the conversation started with the enemy, la voie à tous les dangers est engagée. All the roads to danger open. Une fois que le dialogue est engagé, once the dialogue is started, la femme a engagé le dialogue. So the woman conversed with the woman. Pendant que maintenant ils vont entrer dans la conversion. As they were speaking, c'est là où maintenant l'ennemi ou le serpent va maintenant enfoncer. That's when the enemy, the serpent, will now carry on. Vous savez. Oh, you know. Vous ne mourrez point. You will not surely die. Vous me dites, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. The woman said, God said, you will not touch or eat, so you may not die. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. And now the serpent tells the woman, oh, you will mais not die. Mais Dieu sait que le jour vous en mangerez. But God knows that the day you will eat of it, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil. À cause de ces paroles succulentes, because of this word, la femme va lâcher, va céder. The woman will give
Et nous connaissons la suite. And we know the following. Nous connaissons la suite, bien aimés frères et sœurs. We know what happened. La suite avec que what happened was ces gens qui vivaient chaque jour avec Dieu. These people who used to live every day with God. Chaque soir, Dieu venait dans le jardin parler avec l'homme. The Bible says every evening God used et to come to the garden to speak with the man, to visit the couple. Et cette fois-ci, and this time, quand Dieu est descendu dans la soirée, when God came in the evening, l'homme et la femme ont fui. The man and woman ran. Et il est maintenant Dieu cherchait l'homme qui était son ami. So God was looking for the man who was his friend. Cette fois-ci, Dieu est en train de chercher l'homme. This time God is looking for the man. Il est en train de te chercher toi aujourd'hui. Like he's looking you and he's looking for you today. L'homme, quand il a entendu la voix de Dieu, when the man heard the voice of il God, a fui, il est allé chercher, il est allé he ran away and hid himself. Quelque part. Hid himself. Nous voyons Dieu posant la question, où es-tu? And we see how God asked, where are you? Encore de te demander aujourd'hui, où es-tu? And he's asking you today, where are you? Et l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. And the man answered, I heard your voice in the garden, so I was afraid. Il a eu peur. So he was afraid. Et je me suis caché. So I hid. Et Dieu va lui poser la question, qui a touché? And God will ask him, did you touch the tree that I command you not to touch? L'homme va chercher à accuser quelqu'un d'autre. Now the man will find his way to accuse somebody else. Non, c'est la femme que tu m'as donné. He said, no, it's the woman that you gave comme me. La plupart d'entre nous, as many of us, quand Dieu nous parle, when God is speaking nous voulons to us, mettre, nous voulons accuser quelqu'un d'autre. We want to accuse somebody else. Non, ce n'est pas moi. Not, it's not me. C'est à cause de l'autre. It's because of the other. Ce n'est pas moi. It's not me. Si il m'avait parlé avec un bâton, je ne me fâcherais pas. If they spoke to me and where I wouldn't have gotten hard. L'homme me dit, Éternel, j'ai péché. He didn't say, Lord, si I sinned. Maybe if the man said, Lord, forgive me, I've sinned. Maybe things would have been different. But the man accused somebody else. Put the fault on somebody else. Ce que nous vivons aujourd'hui. This is what we live in today. Plusieurs fuient leurs responsabilités. Many people run away from their ils responsibilities. Accusent les maris, ils accusent leurs maris, ils accusent leurs husbands or their wife or their parents. Accusent their ils children. Ils accusent les pasteurs. Accusent pastors. Ils accusent les frères et sœurs. Accusent brothers and sisters. Arrête-toi et prends ta responsabilité. Stop and take your responsibility. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est là les conséquences du péché vont tomber. This is how the consequences of sin will fall. Les conséquences du péché vont tomber. The consequences of sin will fall. Frères et sœurs. Brothers and sisters, les conséquences du péché vont tomber. The consequences of sin will fall. Romains chapitre 3, le verset 23. Romans chapter 3, verse la mort. 23. Le salaire du péché, c'est la mort. The wages of death of sin is death. Non seulement que la mort suivra de cela. Not only death came out of le travail deviendra difficile. Work will become tougher. Sachant que le travail n'est pas venu après la chute de l'homme. Knowing that the work didn't come Dieu a donné à l'homme after the falling of man. Dieu a donné des sortes de travail à l'homme. God gave work to man. Le travail manuel. Manual work. Quand il a placé dans le jardin, il a dit, tu vas cultiver le jardin. When he placed him in the garden, he told him you would cultivate the garden with your hands. And after that, il a donné à l'homme le travail intellectuel. He gave him intellectual work. Il a dit à l'homme pour nommer tous les animaux des champs. He asked him to name all the animals of the fields. Ça c'est les chats. Ça and c'est les the man was looking, this is the cat, this is the ça, leopard. On appellera le lion. This one would they will call, là, will call on lion. Appellera, le chacal. That one we will call. C'est là on appellera les crocodiles. Crocodile. C'est là on appellera les poissons. Fish. Ça, c'est l'homme qui a nommé les animaux les chats. This the man named the animals of the field. Et retenez tous ces noms.
Retenir tous ces noms. And knowing all these names. Ça, c'est le travail intellectuel. This is the intellectual work. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Tu sens que tu es bourré, tu ne peux rien faire. You feel like you are not clever enough, you cannot do anything. Tu ne peux rien retenir. You cannot keep anything. Et bien, aujourd'hui, je te donne le secret. And today I give you a secret. Qui est dans la prière. Which is in the prayer. Au Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a donné le travail intellectuel à l'homme. You will tell the Lord, you gave intellectual work to the C'est toi man. Qui donne l'intelligence et la compréhension des choses. Gives intelligence and no understanding. Il est celui qui va renouveler ton intelligence he par will sa parole. Renew your intelligence by his word. Alléluia. Amen. Et à cause du péché, le travail est devenu difficile. Because of sin, work became very tougher. Il fallait maintenant que la sueur tombe pour gagner du pain. Manna to sweat to earn. Car la terre était devenue dure. Because the ground became very hard. Les ronces se sont sorties après que le péché est entré dans le monde. Things came from sin came from in the world. Et l'homme a été chassé de la présence de Dieu. And man was chased out of the presence of God. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs. Brothers and sisters. Et le Seigneur va parler au serpent. And the Lord will speak to the serpent. Parce que tu as séduit la femme. Because you have deceived the woman. Parce que tu as séduit la femme. Because you have seduced the woman. Tu vas marcher sur toute sur la terre pendant toute ta vie. You will crawl on your belly all your life. Nous écoutons le Seigneur dire au serpent. We hear the Lord saying to the serpent. Parce que tu as séduit la femme. Because you have seduced the woman. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. You will be cast in all the animals in the Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Belly and you will eat dust all the days of your life. Alors on sous-entend c'est pour cela. Vous voyez parfois le cobra s'arrête et puis il regarde. So that's why we may see a cobra stopping and raising up their head. Quand j'ai commencé à lire, j'ai compris. Ah bon? So when I read the Bible, I understood. Au début, le serpent ne rampait pas. In the beginning, the serpent wasn't crawling. Le serpent ne rampait pas. At the creation, the serpent wasn't crawling. Comme il a été utilisé pour séduire la femme. It was only when he was used to seduce the woman. La malédiction est tombée. Curse fell on him. Et il a commencé à ramper sur la terre. And he started to crawl on the ground. Et le Seigneur dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. And the Lord said, you will eat dust all the days of your life. Je me rappelle d'une maman qui était venue dans cette église, malheureusement, et je ne vois plus. I remember a mother who used to come to this church. Unfortunately, I don't see her anymore. Son fils mangeait tous les murs de la maison. Il mangeait la poussière partout. Her son was eating the wall in the house, dust everywhere. Donc tous les murs étaient mangés par ces garçons. All the wall in the house were eaten by that boy. Peut-être toi tu manges de l'argile. Maybe you eat You eat sand. Oh, quand je suis enceinte, je mange les mabélés de When I'm pregnant, I eat sand. Les calcaires et les Africains qui le mangent. I eat sand when I'm Je croyais pregnant. Qu'on a mangé seulement au Congo, mais en Afrique de l'Ouest, on a mangé aussi. I thought that was only eaten in the Congo. However, it's eaten in the West of Africa as well. Tu es un serpent. Are you a snake? Ce sont les serpents qui mangent de la terre. Only serpents eat from dust. Tu es un serpent ou bien un homme? Are you a serpent or a man? Je me rappelle avoir prié pour cet enfant ici. I remember praying for that child here. J'ai chassé dans la vie de cet enfant l'esprit de serpent qui le faisait qu'il puisse manger les murs et tout ce qui passait là comme calcaire, tout ce qui était de la terre, il mangeait. So I chased out of the life of that child the spirit of serpents. That pushed him to eat anything that was dust. Conséquence, ce petit garçon était distrait, était bourrique à l'école. As a consequence, he was not intelligent in class. He was very
absent-minded. Après que j'ai prié pour lui, after I've prayed for him, le Seigneur est intervenu, cet enfant a arrêté de manger les murs qu'il mangeait. The Lord intervened and he stopped eating the wall. Sa maman m'envoyait les états à l'école, c'était 9 sur 10. His mother sent me results, his results from school, it was 9 out of 10. Tous les enseignants s'étonnaient. All his teachers were surprised. Mais moi, ça m'étonnait pas. Je savais que le Seigneur était intervenu. But I wasn't surprised because I knew that the Lord has intervened. Bien-aimés frères et sœurs, brothers and sisters, je voudrais un peu énumérer les œuvres du serpent. I want to number the work of the serpent dans la vie des hommes et des femmes. In the life of men and women. Sachant que le serpent a été utilisé par Satan. Knowing only that the serpent was used by Alleluia. Satan. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dites à ton voisin, ne dors pas. Don't sleep. Nous sommes en train d'écouter les choses très sérieuses maintenant. We are listening to very serious things. Parce que le Fils de l'homme a pari pour détruire les œuvres du diable. Because the Son of Man is destroying the work of the devil. Le Fils de l'homme qui a reçu le fait notre vie, sa demeure. The Son of Man who decided to make our dwelling. He gave us power. La tête du serpent. Crush the serpent's head. Dit à ton voisin, aujourd'hui, tell your je vais écraser la tête du serpent. Crush the serpent's head. Aujourd'hui, today, je vais écraser la tête du serpent. Serpent's head. Aujourd'hui, today, ma prière, ma belle. They will eat dust. Amen, amen. Ils vont manger la poussière. They will eat dust. Aujourd'hui. Today. Répète après moi aujourd'hui. Repeat after me today. Et là, quelqu'un dit aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Le serpent qui me dérangeait. The serpent that was disturbing my life will eat dust. Hallelujah. Amen. Ma prière, ma belle. He will eat dust. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui. Today. Le nom. Today. Ma prière, ma belle. So we eat dust. Il va manger la poussière. They will eat dust. Hallelujah. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brothers and sisters. Le serpent n'a été qu'utilisé par Satan. The serpent was only used by Satan. Parce qu'il s'est laissé utiliser. Because he left himself used. Et les conséquences sont tombées dans sa vie. And the consequences fell in his life. Aujourd'hui, bien-aimés frères de ça. Today, beloved brothers. Si ce n'est pas le serpent. If it's not the serpent. Le serpent, le cobra ou je ne sais pas quel genre de serpent ou le mamba. What quel genre de serpent. Qu'ils pourront rencontrer. Whatever. Heureusement que le serpent qu'ils vont rencontrer dans la forêt ou dans le désert ne parle pas. The serpent that we meet in the desert or forest, they don't speak. Mais celui-ci, il parlait. But this one was speaking. Et il parlait. And he was speaking. Mais comment il a réussi à pouvoir séduire Ève? And I asked myself, how did he manage to séduire Ève? C'est clair. The Holy Spirit told me. Parce qu'à la création. At the creation, la femme n'était pas là. The woman wasn't there. When animals were created, the woman wasn't there. C'est l'homme qui a nommé les animaux. And he was the man who named the animals. He knew you will be called serpent. Oui, Adam. And he said, yes, Adam. L'homme savait la voix de serpent. Man knew the voice of the serpent. L'homme savait que ça c'est le serpent qui parle. He knew that this is the serpent speaking. Pour ceux-là qui sont avec nous. For those who are with us. Avant-hier soir, notre sœur Yvette. The day before yesterday, our sister Yvette. Elle nous disait ceci à la part pendant qu'elle dirigeait la réunion de la soirée. As she was leading the prayer, she told us. Bien que ça soit un peu désordonné, on comprend qu'elle a besoin d'être encadrée, que le Seigneur la bénisse. Even though it was a bit, mais elle a parlé, pendant qu'elle parlait, elle a dit. And what à qui tu donnes tes oreilles? To whom do you give your ears? À qui toi là tu écoutes? Who do you listen to? Oh, on a dit ceci. Oh, they said yes. On a dit que ce sont des sorcières. Oh, they said they are wizards. Dans Adassa là, ils font la magie. In Adassa, they do magic. Ils travaillent avec vos chances. Oh, they work with your chances. Allez. En français, on dit n'importe quoi. Whatever. N'importe quoi. Whatever. Oh, il prend toutes vos chances, ce n'est pas la première fois. They take all your luck. This is not the first time. Vous savez, les pasteurs, ils ont une nouvelle voiture. You know your pastors, they only have
They have a nice house, they are well, and they are working with your luck. You go there and they take your luck. But that's whatever. And you online letting yourself. The serpent of your nation. Tell them from today, our Archbishop is an intellectual man. Amen. J'ai étudié ici au Pays-Bas, je suis diplômé de l'Europe. I studied here in Netherlands. Amen. I have a degree here. Amen. Je suis un diplômé de l'Europe. I have a degree in Europe. Dites à ces gens-là qui sont en train de t'envenimer. Tell those people who are que notre papa a toujours travaillé. Tell them that our fathers always worked. Je n'aime pas les fainéants. I don't like étudiant, even when I was a student. J'avais toujours quatre activités avec moi. I always had four activities with me. J'allais à l'école. I was schooling. Après l'école, j'allais travailler. After school, I was. Je travaille dans une agence de poste. I was working at the post office. J'ai distribué des lettres. I was delivering letters. Et après avoir travaillé dans l'agence de poste, j'allais à l'église. After doing that, I used to go to church. Même pas échéance, donc c'était à Laïe. My church was in Laïe. Tous les mardis, j'étais là pour les études bibliques. Every Tuesday, I was there. Tous les mercredis, j'étais là pour les cellules de la maison. Every Wednesday, tous les vendredis, j'étais là pour les enseignements. Every Friday, I was there for tous les samedis, j'étais à Laïe. Pour la répétition des chorales, les every Saturday I was there for et tous les dimanches j'étais là pour le culte. Choir practice and on Sunday I was there for the service. Je n'aime pas les fainéants. I don't like lazy people. Dieu ne nous a pas appelé à être des fainéants. God did not call us to be lazy. Alors bien mes frères, mes amis. Beloved brothers and sisters. Mon épouse a toujours travaillé. My wife has always worked. Alléluia. Amen. Maman a toujours travaillé. She has always worked. Vous savez, tu es témoin. You are witness. Après, chaque fois que j'ai prié, j'ai conduit les prières de 4h30 jusqu'à 6h, 6h15, 6h30. I lead the prayer from 4:30 to 6. Vous savez ce que j'ai fait après cela? Do you know what I do after that? Je cours pour aller travailler. I run to go to work. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is someone listening to me? Alors, ne vous laissez pas entraîner par des faux venins. Don't let yourself be distracted. Les faux pasteurs, don't les let faux apôtres, les faux frères et sœurs, les venins des jaloux qui vont vous dire n'importe quoi. They will tell you whatever. Mes amis, friends, je ne suis pas riche. I'm not rich. Financièrement ou matériellement. Financially or materially. Mais dis-moi, je suis crédible. But I'm credible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors n'essaie de pas de faire n'importe quoi. So don't listen to whatever. Oh, il travaille avec la magie. Oh, he's working with est-ce magic. Est-ce que vraiment là, ça l'a y a dit? C'est comme ça que ça t'a dit. Laissez pas commencer. Dieu m'a dit. This is how the serpent said. Dieu m'a dit. Que vous ne mangerez pas de tous les arbres. That you will not eat from all the trees. C'est comme ça qu'il commence avec toi les dialogues, bien. This is how he starts his conversations. Il y a peut-être raison. You may be right. Enfin, hey, ils sont bien. Yes, they are well. Tu as raison, mes amis. Yeah, you are right. Chaque jour, je me réveille à 4h du matin. My friend, every day I wake up at 4 a.m. Je ne mange pas tous les jours, moi. I don't eat every day. L'année contient 365 jours. The year is 365 jours au moins par an, je jeûne. 150 days at least in a year I fast. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is someone listening? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous me dites, mais ça, c'est comment cela est possible? You may wonder how is that possible. Nous avons 80 jours de notre moment de Hadassah. We have 80
days of our time in Hadassah. Il me reste 10 mois. Pendant ces 10 mois, chaque et par mois, je jeûne 6 jours. And every month, I fast 6 days. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les premiers week-ends du mois, je jeûne. The first weekend of the month I fast. Et tous les vendredis je ne mange pas, je jeûne. And every Friday I don't eat, I fast. Ça, ce sont les jours reconnus qui sont connus de tous. These are the known day, known by everybody. Et de temps en temps je me réveille le samedi, aujourd'hui tu vas prier pour ce jeûne. And from time to time, the Lord said, today you fast je and pray for manger. A subject. Vous pensez que notre Dieu n'a pas les yeux pour voir? So do you think our God doesn't have eyes to see? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Do you hear me? C'est de là d'où vient notre puissance. That's where our power comes from. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors ne te laisse pas mentir par les vénères. So don't do not let yourself lied by tu es là, tu es avec nous ici, tu es au téléphone à la radio. You are here with us. Tu as été dans une église quelque part. You are in a church somewhere. Et tu as compris que cette église était une fausse. And you understood that that was a fake. Ce pasteur, c'était un cupide, un voleur, un faux. That pastor was. Il n'avait pas de parole, c'était un manipulateur. He was just manipulating. Il nous a approché. You came to alors, us. Ferme tes oreilles pour ne pas écouter le frère de Satan. Just close your eyes so that you may not. Est-ce que quelqu'un m'entend? To the court. Alléluia. Amen, amen. Ça mérite parfois. Oh, on a dit. Hey, on a dit. It gets me really upset sometimes oh, when people écouté, say parlé. They've said on this and that. Là, voilà pourquoi les gens aiment. J'ai écouté même quelqu'un qui nous a écrit. I even heard someone saying. Il a dit que on a dit, on est en train de dire que. They said that. On vous a chassé sur Casarema. They chase you out of Casarema. Écoutez, ils sont là les gens de la France. Vous pouvez les remercier, ils sont dans la salle. They are here, people from c'est France. C'est eux qui nous ont dit, il ne faut plus venir ici. They told us that no come. She lives near Casarema. So they told us that your mission here is over. So we understood. God sent us there. And the mission over there was finished. No one chased us out of Casarema. But the serpent, les gens qui ont l'esprit de serpent, those who have the vont serpent vous envenimer spirit, par des choses qui vont troubler votre vie pour rien. Will throw things at you that will trouble your life. Dites à ton voisin, tu es dans une bonne adresse. Tell your neighbor you are at a good address. Faut pas quitter cette adresse. Do not leave this address. Frères et sœurs. Brothers and sisters. On a dit à Jésus qu'il chassait les démons par Belzebul. They told Jesus that he was chasing demons from Belzebul. Il chasse les démons parce qu'il a Belzebul. He's chasing out demons because he has Belzebul. Écoutez, je ne connais ni je n'ai même pas de l'huile spéciale à la maison. Listen, I do not even have special oil in the house. Oh. De sable ou de la terre que j'avais prise en Israël or sand, or some, ou de l'eau bénite que j'avais prise dans le Jourdain c'est avec cette eau-là que j'ai prié maintenant c'est la puissance non, the power is in the prayer. Amen. La puissance est dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? La puissance est dans la prière. La puissance est dans les jeunes. La puissance de la sanctification, la puissance de la crainte de Dieu, c'est là où nous trouvons notre puissance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il est dans un écoute pas les paroles du serpent. Tell your neighbor, do not listen to the word of the serpent. Do not open your ears to anybody. Don't give your ears to anybody. Especially to the fake servant of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là parce que c'est Dieu qui vous a attiré ici. You are here because the Lord has attracted you here. Nous sommes incapables d'attirer quelqu'un. We are not capable of attracting someone here. Frère, I'm incapable. When God called us to start this work in Amsterdam,
People used to say Laye is too far, but if you come to Amsterdam, Pastor will be here. Heureusement que je ne suis pas une parcours de pape. Parce que ce sont des papes. Eh bien, ces gens, ils ne sont jamais venus dans notre église. These people never came to our church. Jamais. Never. Les gens qui disent, je suis venu à Amsterdam, on sera là. People we used to say, when you come to Amsterdam, we'll be there. Never they came to church, not if once. So it's God who brought you here, beloved. Do not give your ears to Satan. Wake Satan. And tell them, do not give your ears to Satan. La Bible nous dit ceci. Bible says la foi vient de ce qu'on entend. The faith comes from what we hear and what we hear from the word of God. Romans 10, 17. La destruction, this destruction, ou l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de Satan, ce qu'on entend dans le monde. From what we hear from the Satan and the world. Est-ce que vous me suivez? Do you follow? Alléluia. Focalisez-moi. Regardez sur moi. La Bible dit ceci. The Bible says this. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. What we hear from the word of God. Alors, le contraire, l'incrédulité. Unfaithfulness. La méchanceté. And wickedness. La peur. Fear. La destruction. Destruction. Vient de ce qu'on entend. Come from what we hear. On entend de Satan, de serpent ou dans le monde. We hear from the Satan, the serpent, and the world. Vous êtes d'accord avec moi, dites amen. Alléluia. If you agree with me, say amen. Je m'entends. Amen. Aussi longtemps que Adam et Eve avaient entendu la voix de Dieu. As long as Adam and Eve listened to the word of God. They had life. Quand ils ont donné leur oreille à écouter les serpents. Why did they give their ear to listen to the serpent? C'est la mort qui est entrée. Death came in. Alors je vais lire ensemble avec comme Yvette l'organisait. Faites attention à qui vous donnez les oreilles. So I will say together with you as like our sister was saying, be careful to who you give your ears to. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is someone amen, listening amen. To me? Si je te dis les choses, c'est pour ton bien. If I tell you these things, is they le are for your good. The work of the enemy. La première chose, the first thing, c'est de nous éloigner de la présence de notre Dieu. To take us away from the presence of the Lord. Nous éloigner de la présence de Dieu. To remove us from the presence of sachant God. Sachant qu'après que l'homme ait écouté la voix des serpents, knowing that one after the man heard the voice of the serpent, il était chassé de la présence de Dieu. He was chased out of the presence of God. Deuxième œuvre de Satan. Second work of the Satan. C'est la séduction. Is seduction. Nous séduire. To seduce us. Il nous séduit. He seduces us. Les œuvres de Satan. The work of Satan. La séduction, c'est pousser quelqu'un dans la tentation à tomber dans le péché. Seduction is to take someone to sin. Et c'est Satan qui séduit pas Jésus. And it's only Satan who seduces, not Jesus. J'ai écouté quelqu'un chanter, Jésus m'a séduit. I heard someone singing, Jesus has seduced me. He seduced my heart. Jésus ne séduit personne. Jesus doesn't seduce anybody. C'est Satan qui séduit. It's Satan qui séduit. Et la Bible l'appelle le séducteur. And the Bible calls him the deceiver. Il Matthew est appelé 4. Aussi le séducteur, le tentateur. He is also called the tempter. C'est nous séduire afin de nous amener dans le péché. To seduce us, to take us to sin. Et de nous amener dans la mort. And take us to death. Troisième œuvre de serpent dans notre vie bien-aimée. Third work of the serpent in our life. C'est nous entraîner dans la mort comme il a fait avec nos premiers parents. To lead us in death like he did with our first parents. Nous entraîner dans les noyades du monde, dans le monde. To take us in the world. Lorsque nos premiers parents ont écouté la voix de Satan. When our first parents heard the voice of the serpent, ils ont été chassés de la présence de Dieu. They were chased out of the presence of God. Et ils ont commencé à errer. And they started wandering. Comme Caïn.
like Cain. Il a commencé à errer dans les morts. He was wandering in the field. Le servant de Satan. The work of Satan. C'est de nous amener dans les mensonges. To lead us in lies. Dans les mensonges. In lies. Celui qui a commencé par mentir, mon premier parent. He told them that they would not die if they touched the tree. That was a lie. Faites attention à ce que vous dites, soi-disant le serviteur de Dieu. Be careful to fake servant of God. Personne qui vient avec les mensonges. Peut-être vous lies, vous gagnez. Maybe to gain you. C'est un serpent, yo. C'est un serpent. He's a serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le serpent de Satan. The work of Satan. C'est la jalousie. It's jealousy. Parce que Satan était jaloux de tous les privilèges que l'homme avait devant Dieu. Because Satan was jealous of all the privileges that man had with God. L'homme recevait de tout ce qu'il avait besoin de part de Dieu. He received everything that he needed from God. Et l'ennemi était jaloux de cela. And the enemy was jealous of that. Pourquoi il est parti voir lui? That's why he went. Devenir comme lui, de tomber comme lui. He went and lost all the advantages qu'il avait de la part du Seigneur. Lose all the advantages that he had in the world. Beloved brothers and sisters, ces gens qui vous regardent, ah, vous avez la paix chez vous. Be careful, and to those people who look at you and say you have peace, or you have changed. Les enfants sont devenus calmes, les enfants sont devenus intelligents, les gens ont changé. They are now calm and clever. À nous détruire, à nous calomnier. And then they will start destroying us. Serpent. Snake. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Someone listening to me. Le serpent de Satan, le serpent. The work of serpent. La jalousie. Jealousy. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, vous allez jusqu'à Amsterdam, c'est loin. Oh, you go to Amsterdam, it's too far. Il n'y a pas d'église tout à côté ici. Is there no any church around you? Notre Dieu voit. Oh, our God sees. On parle de la repentance. Moi, je suis en communication directe avec les prophètes. Oh, you're speaking with in repentance. I am in direct communication with the prophet of God. Il y a un autre moment d'adresse c'est qui a appelé les gens de la France pour les dire. Moi, je parle directement avec le prophète War. There was a woman from France saying that I speak directly to Prophet War. Je dis mais ah, elle est celle-là, elle est privilégiée. I was like, oh, she's very privileged. Je parle depuis plus, ça fait plus de 8 ans que nous allons au Kenya. So I'm speaking, it's been almost 8 years that we go c'est to Kenya. C'est quand nous sommes sur place que nous pouvons communiquer. It's only when we are there that we can speak. Mais sinon, à l'extérieur, on passe seulement par les bureaux. Outside, we go through the office. On a même pas son numéro direct. We don't even have a direct number. It doesn't even have a direct number. Bien-aimé. Beloved. Et cette femme, maman m'a fait rigoler hier, elle m'a dit, elle me disait, and this woman, toi là, tu parles à mon nom, tu dis aux gens que tu as contact direct avec moi, pour si tu veux. And the prophet told that si woman that you are speaking on mon my behalf, telling people that you have direct connection with me. Confiance des gens à mon nom. How are you trying to gain people's trust through my name? Satan. Serpent. Le serpent, le serpent, c'est le mensonge. The work of the serpent is lies. C'est le mensonge. Lies. C'est la jalousie. Jealousy. Tout cela pourquoi oh la Hadassah, ce n'est même pas, ministère de repentance, c'est Hadassah. There in Hadassah is not even the ministry of repentance. It's just Hadassah. It's just Hadassah. Non, là il y a beaucoup de gens qui viennent ici qu'en Aragnon il n'y a que 3 personnes. There's many people, but there is only 3 people. Vous savez combien de fois nous prions? Combien de fois nous prions? Do you know how many times we pray? Mes amis, si vous voyez en bonne posture comme ça, c'est parce que ça, je l'avais demandé à Dieu. If you see me looking good, it's because I've asked God. Je vais demander à Dieu, Seigneur, que je mesure quand même 1m91, 1m91. I asked God and I said, pesé 73 kilos, c'est quand même quoi des mouches là. I cannot be waiting. Je dis au Seigneur, tu dois peser 100 kilos.
I need to weigh 100 kilograms. Lord, give me 100 kilos. Alléluia. Amen. 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 So I'm teaching you how to pray. You need to ask the Lord. Je mesure 1m91. Donne-moi 5 kilos. Lord, I height 1 meter. Après avoir vécu plus de 15 ans en Europe. After 15 years in Europe. J'ai mangé des frites. I've eaten and fries. J'ai mangé les chips. Fries. J'ai mangé les kamoun, j'ai mangé tout ce qu'on pouvait manger, mais je ne pensais que c'était 3 kilos. Everything that we could eat, but quand just on me dit que je suis, j'ai un peu pris de la graisse, c'est enceinte, 75 kilos. And if someone tells me that I've gained a little bit of weight, that would be 73 kilograms. Mon petit frère, il dit quoi? Et j'ai dit, Seigneur, alors tu donnes-moi 100 kilos. So I said, Lord, give me 100 kilograms. Comme nous avons les moments de prière, après le moment de prière de 40 jours. After our time of fasting. Du jour au lendemain, j'ai pesé 110 kilos. I was weighing 110 kilos. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pesé 110 kilos, ça et 910. Today I'm 110 kilos. I'm ashamed to ask the Lord to remove the 10 kilos. Je n'ai jamais demandé, dit Seigneur, enlève les 110 kilos. I've never asked because I'm ashamed. On dit faut faire, est-ce qu'on faut marcher? Je marche, je fais la natation. And Mama say, you need to do some sports. I do it, but. Je me sens léger, même après les jeûnes. Even after après fasting, si je monte sur la balance, c'est 112. I go on the scale, it's 112. Il y a la puissance dans la prière. There is power in prayer. Ne cède pas au mensonge des serpents. Do not give up to the lies of the serpent. Bien-aimés, d'autres œuvres des serpents, je nous invite à ouvrir avec moi dans Apocalypse chapitre 12. At the work of the serpent. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu là. Mettez-vous debout. Apocalypse chapitre 12. Revelation chapitre 12. Réveille ton voisin, ne mets-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen, amen. Apocalypse chapitre 12. Revelation 12. Les œuvres du serpent. The work of the serpent. Nous lisons ceci, bien-aimés frères et sœurs. Read this. Amen, amen. Amen. Mettez-vous debout pour que vous ne puissiez pas dormir. Vous êtes venus pour prendre quelque chose de plus important. Nous avons pris tout à l'heure pour vous. Alors ne manquez pas cette occasion. Apocalypse chapitre 12, nous lisons ceci à partir du verset 7. From verse 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. And there was Michel et ses anges combattirent contre les dracons. Et les dracons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dracons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de l'enfer, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à terre, à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. Amen. Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Le serpent dont j'ai dit que ses œuvres sont la séduction pour séduire les hommes. The serpent I said is work as seduction to seduce man. Il est aussi appelé le dragon. Is also called dragon. Le diable. Devil. Et Satan. Satan signifie le diviseur.
Satan means divisor. Celui qui séduit le monde. The one who seduced the world. L'une de ses œuvres, les œuvres des serpents. One of his works. C'est aussi, nous trouvons ici, l'accusateur de nos frères. The accuser of our Celui qui nous accuse, Jésus tenu devant notre Dieu. He accuses les œuvres de Satan, c'est de nous accuser sur notre passé. He accuses us sur les choses pour lesquelles Dieu nous a pardonné. The things that God has nous accuser sur nos échecs, sur nous accuser sur notre faiblesse. Our weaknesses. Les œuvres de Satan. The work of Satan. C'est nous accuser de ce que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. What we are not capable. Mais gloire soit à Dieu, notre Dieu. But glory be qui nous donne la victoire à Jésus Christ. Who gives us victory in Jesus Christ. L'une des œuvres de Satan. One of his works. Et nous allons nous arrêter par là, bien aimé. And we will stop from there. C'est nuire à la vie des chrétiens. To destroy the life of a Christian. Nuire à la vie de ta famille. To destroy the life of your family. Nuire à tes relations avec le Seigneur. Your relationship with nuire the Lord. À tes relations avec les frères et sœurs. Your relationship with your brothers. Nuire à ton épanouissement spirituel. To destroy your spiritual. Luc chapitre 10. Chapter 10. Notez pour y relire à la maison. Just take note, you can. Du premier verset jusqu'au verset 3. From 1 to 3. Et du verset 17 jusqu'au verset 20. 17 to 20. Les disciples qui étaient envoyés pour le stage. Disciples were sent for the lorsqu'ils sont rentrés, bien-aimés. And when they came back. La Bible dit ceci. The Bible says. Au verset 17 à 20. From. Les se sont dit, revinrent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. 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 Les œuvres de Satan. The work of Satan. C'est de nuire à notre vie. To destroy our life. Les œuvres de serpent. The work of Satan. C'est nuire à notre vie. Que gloire soit rendue à notre Dieu. But glory be to the Lord. Qui nous donne la victoire en Jésus Christ. Who gives us victory in Jesus Christ. Mon frère, ma soeur, my brothers, my j'ai énuméré quelques œuvres de Satan, de serpents ici. I have numbered some des serpents, des dragons. Serpents, dragons. C'est nous éloigner de la présence de Dieu. One to remove us from the presence of the Lord. La séduction. To seduce us. Trois, nous entraîner dans la mort. To lead us to death. Quatre, nous mentir. To lie to us. Cinq, nous jalouser. To be jealous of six, nuire à notre vie chrétienne. And destroy our sept, nous accuser devant notre Dieu. And to accuse us sur notre passé ou sur notre présent. Our present, ou sur nos manquements. Our incapacity. Si nous lui donnons nos oreilles pour écouter. If we give him our ears to listen to him. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glory be to our God. Qui donne la victoire. Who gives us victory. Venons de lire Apocalypse chapitre 12. As we've just read in Revelation 12. Ils l'ont vaincu. They conquered him. Les chrétiens, les croyants. Christians, believers. Ils ont vaincu Satan. Conquered Satan. À cause du sang de l'agneau. Because of the blood of the lamb. Et à cause des paroles de leur témoignage. And their testimonies. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples ceci. And the Lord Jesus Christ said to his disciples. Marc chapitre 16, les versets 15 à 20. Mark 16:15-20. Voici les miracles et accompagnant ceux qui ont crié à mon nom. See the miracles that will. Ils chasseront les démons. Will believe in me. They will cast out ils demons. Saisiront le serpent. They will. Si ils boivent quelques fois, mortels seront les grands points de mal. If they drink mortal drinks. Et le Seigneur Jésus est venu. And the Lord Jesus came. Pour détruire les œuvres des diables. To destroy the
work of the enemy. Je vais lire avec vous ce dernier verset. I will read this with you. Dans 1 Jean chapitre 3. 1 John chapter 3 et le verset 8. 1 Jean 3. 1 John 3. Nous lisons ceci. Celui qui pratique le péché du diable. Car le diable péche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a paru pour que toi et moi, la progéniture de la femme, nous puissions marcher sur le serpent et que nous puissions écraser sa tête. So we may crush the serpent's head. C'est ce que notre Dieu fait avec nous. This is what our God does with us. Il veut faire dans notre vie pendant ce moment de prière. He wants to do this in our lives during this time. Nous allons nous élever dans la prière, dans la présence de Dieu. Appelez-moi Seigneur Jésus-Christ. Say, Lord Jesus Christ. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Aujourd'hui. Today. Je viens devant toi, Seigneur. I come before you, Lord. Je t'ouvre mon cœur. I open my heart. Et je renouvelle mon engagement envers toi. And I renew my covenant with you. Et je proclame. And I proclaim. Que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. That you are the Lord and Savior of my life. Je te donne toute ma vie. I give you all my life. Je te donne mon cœur. I give you my heart. Mon âme. My soul. Mon corps. My body. Et mon esprit. And my spirit. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Toi qui vis en moi maintenant. You who live in me right now. Tu es plus fort. You are plus stronger plus and more strong than the one in the world. Merci Seigneur Jésus Christ. Thank you Lord Jesus Christ. Tu as paru. Pour détruire les œuvres du diable, les œuvres du serpent, les œuvres du dragon, les œuvres de Satan. Tu es apparu, Seigneur Jésus-Christ, afin de me donner la victoire. Quand l'ennemi me poursuivra, pour m'entraîner dans la mort, toi qui me donnes la vie. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, today, je viens devant toi, Seigneur. I come before you, je renonce à Satan. I renounce to je renonce à l'esprit de serpent. I renounce to the spirit je renonce of à la séduction. I renounce to seduction. Séduction du monde. Seduction of séduction the de la chair. Séduction de Satan. Seduction of je renonce à cela. I renounce to them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Aujourd'hui, today, je renonce aux mensonges de Satan. I renounce to the lies of the devil. Aux mensonges de Satan. À sa tromperie. To his lies. Toutes ses paroles. And all his words. Qu'elle m'avait trompé. That he lied. Je renonce à cela. I renounce to them. Par le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Aujourd'hui, today, par le nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, je renonce à la jalousie de Satan. I renounce to the jealousy of Satan. De les œuvres de la jalousie. De la part de Satan. Utilisant les hommes. Using utilisant men, les femmes, using women, utilisant les connus et les inconnus, using known and unknown pour me voler tout ce que l'Éternel tu m'as donné. What's not you've given, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus, in the name, je renonce, I renounce à toute nuisance to spirituelle impurity de la part du serpent. From the devil. Je l'ai rendu le sans effet. And au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, today, je renonce à toute accusation démoniaque satanique qui m'accusait de mon passé, du passé de mon mari, de mon épouse, du passé de mes parents, de mon propre passé. Je renonce à toutes ces accusations. Par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, today, je renonce. I renounce, je renonce à la mort.
renonce à la mort. Par le nom de Jésus-Christ. Je renonce aux œuvres du serpent. Dans ma vie. Dans mon foyer. Dans ma maison. Dans tout ce qui m'appartient. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je lève ta croix. Dans mon corps. Dans mon âme. Et dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, alléluia, alléluia, alléluia.